Le mentalisme, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Magic Pascal. La frontière entre la réalité et l'extraordinaire a toujours été le passage où vos esprits pouvaient s'y perdre en laissant derrière lui une grande interrogation. Dans les années 80, les télévisions américaines étaient le théâtre de toutes sortes de mystères et d'énigmes dont les charlatans prétendaient posséder des pouvoirs psychiques. Nombreux ont été dévoilés par un homme charismatique nommé James Randi. Ce personnage démasquait des tromperies en parvenant à reproduire les phénomènes prétendus surnaturels. L'expérience de mentaliste que vous allez vivre aujourd'hui, James Randi n'a jamais réussi à élucider cette énigme, qui aujourd'hui reste encore un mystère pour le commun des mortels. Je vous souhaite un bon visionnage dans le monde du mentalisme. Bonjour à tous. Salut à vous. Aujourd'hui, Brigitte. Oui. Alors, faut savoir que Brigitte n'est pas au courant de ce qui va se passer non, maintenant. Non, pas du tout. Ici, Brigitte. Oui. Une série de questions. Derrière, plein de questions différentes. D'accord. Oui. Et tu vas devoir répondre à une question. Ça commence. Mais attention, mes amis. J'ai déjà la réponse à la question. Non. Ici, dans ce petit porte-monnaie, une prédiction. Est-ce qu'il y a une autre... Non, il n'y a rien d'autre? Non. Ok. Et je laisse la prédiction bien en vue. Mm-hmm. D'accord? Tu vas prendre le paquet en main. T'es gaucher ou droitière? Droitière. Eh ben, paquet en main gauche. D'accord. Et simplement, tu vas retourner les cartes sur ma main, une à une. Attends. Et tu vas t'arrêter lorsque tu te souhaiteras. D'accord? Et quand tu vas t'arrêter, il va y avoir une question et on devra répondre. Alors, D'accord. Tu déposes en main. Alors, attends. Tu les mets bien comme ça qu'à la caméra. Voilà. Qu'ils voient bien les... Voilà, vas-y, tu peux y aller. Et tu t'arrêtes quand tu veux. Ok. Objet rond en cuir utilisé dans les sports collectifs. Regarde. Tu aurais choisi, tu t'aurais arrêté arrivant, comment s'appelle l'animal qui fait miaou. Miaou. Tu t'aurais arrêté un peu plus loin. Quel est l'animal qui a des rayures noires et blanches? Oui. Des réponses tout à fait différentes. Bien sûr. D'accord? Bien sûr. Alors là, la question, je vous la montre bien. C'est objet roux en cuir utilisé dans les sports collectifs. Okay. Tu te rappelles que j'avais une prédiction? Oui. D'accord. T'aurais pu t'arrêter où tu voulais. Ah, mais carrément. Vous êtes d'accord? Oui, parce que c'était au hasard. Hein. Exactement. Mm. Et regarde. Il n'y en a pas une deuxième? Non, c'est. Ok. C'est unique. Tu vas ouvrir toi-même, tu peux poser les cartes. Tu ouvres et tu lis ce qui a marqué. La réponse à la question sera ballon. Ah non, c'est trop fort. La réponse à la question sera ballon. Alors? Je reste. Et tu pouvais vraiment t'arrêter où tu voulais? Oui, oui, je sais. Et toutes les, il n'y a aucune question qui est identique? Non, je teste. Je le fais là. Ah, je ne m'y attendais pas. Et voilà les amis, un superbe effet de mentalisme, comme je vous l'ai dit dans la présentation. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, j'étais bluffé là, franchement. Voilà, et écoutez, à l'occasion de cette vidéo, on va vous souhaiter avec Brigitte des bonnes fêtes de fin d'année. Passez un bon réveillon et on se retrouve en 2024 pour de nouveaux tours de magie. Brigitte, t'avais un mot à leur dire? Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et on vous fait plein de bisous. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.